Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et donc sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo on sera en sécurité publique sur le serveur de Monsieur Rasuper, Arma4Life. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est bien que vous avez contacté. Prioritaire pour ERI Alpha, l'individu a pris direction Vanderville, je crois qu'il a shooté quelqu'un sur la route. Moi pour ma part je suis actuellement blessé, j'ai percuté un véhicule qu'il a lui aussi très certainement percuté. La recherche de quoi? Ouais, c'est sur Vanderville. La santé de l'individu, on va prendre en charge aussi s'il faut nécessaire. C'est sûr. Et c'est pas comme véhicule. Il y a quelque chose. Oh, je me demandais quand ils vont finir. Allez, écoute. Vous avez une réclamation ou quoi? Non, on a rien du tout, on sait juste que c'est un seul individu qui parle à la radio dans une Clio RS rouge. Devant. C'est une Clio 3, hein, c'est pas une Clio 4. C'est ça. Chair de rad. Transmet. Patrouille rad de nouveau disponible. Ascard Alpha Prioritaire. Transmet. On a la Clio devant nous, on se dirige actuellement vers le stand de tir. C'est bien. Ah, c'est Polo. Ah non. Ah, négatif, c'est pas une Clio 4 au moins. Une Clio 3. Oh la merde. Ça ressemble. Non, là, vraiment, c'était qui comme ici. C'était côté Vanderville, la première fois. Le 3, c'est la petite, c'est ça? Ouais, c'est la petite modèle là. Elle est encore là, la dire avec le mec qui l'a gentil. Il y a encore quelqu'un, moi? Plus personne. Non, il n'y a plus personne sur zone. Ok. Oula, toujours, on a 107. Tire de police. Ouais, bonsoir. On a deux véhicules de tir ainsi qu'un véhicule de sécurité accidenté au niveau de la 2x2 voies, il n'y a plus personne sur zone donc il faudra peut-être venir enlever vos poids et les véhicules. Oui mais la pause café je pense qu'elle est pas aussi importante que des véhicules arrêtés sur 2x2 voies, monsieur. Ça va Oscar? On attend. Merci à vous. Contrôler le véhicule. Ça marche. Par rapport au demi-tour qu'il a fait sur la voie rapide. Bonsoir monsieur. Transmettez Oscar. Citrep s'il vous plaît. En contrôle sur une 107 bleue au niveau de Walton's Glen. Ouais c'est su, merci. Oui. Red Alpha, Dossier. Hop, oui. Un petit citrep s'il vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Non. Vous pensez pas avoir fait un demi-tour au niveau de la 2x2 voies? Ah oui. Et surtout en frein à main et pas en normal. Non, c'est un. Ah non, c'est un très sec. Non, c'est un très sec, je connais bien le braquage de ces voitures là. Oui, tout de suite. En vrai, quand on est dans un clignot noir, en plein milieu de. Vous avez remarqué qu'on a pas aussi? Là, j'aime les éteindre, mais. Non, non, ils étaient éteints sur l'autoroute. Ça va bien. Vous pouvez voir avec l'unité si c'est pas elle, s'il vous plaît. Ou avec les DP, je sais pas. D'accord. Ouais, c'est suivi. Bon, monsieur, je vous laisse me présenter un gilet jaune et un train de quelque chose, une Clio. Hop, le triangle. Négatif pour ERI Alpha. J'ai pas de gilet. J'ai pas de gilet, d'accord. Je vais rester sur le triangle. Monsieur, je vais vous amender pour une conduite dangereuse, ainsi que la non-possession du... Gilet jaune, pardon.
Donc on est sur... J'en fais quoi du coup de ce Clio? On est sur une amende de total de 15... 3000 euros. Est-ce que vous avez fourni ça? T'es là dans les véhicules, c'est... Oui, oui. Vous m'intéressez? L'amende... Intérêt? J'en fais quoi de la Renault Clio? Mais t'es là dans les véhicules, c'est... Je suis en bas la feuille. C'est reçu. Parfait, merci. Donc au niveau du frein à main, bah, que ça se reproduise pas, d'accord? On fait pas oui, comme ça au niveau de la deux fois de voie. On est la nuit, donc on allume ses phares et vous allez vous remettre en ordre au niveau du gilet jaune de sécurité le plus rapidement possible. Qu'on vous reprenne pas sans le d'accord, gilet. D'accord, d'accord. Je vous laisse y aller. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Café, il laisse les véhicules comme ça. Ouais, il m'a répondu on saurait pas intervenir pour le moment, on est en pause café, on viendra faire ça après. Ouais. Ok. Normalement, ils ont pas très bien compris. Merci pour l'hébergement. Ça bloque carrément la deux fois devant, donc normalement. S'en occupe pas. Ils sont là de leur pause café. Non, c'est ça. Ouais. Bonsoir monsieur, je vous laisse. Attendez, je suis au téléphone, je regarde. Je te rappelle Hugo. À tout. Hop. Et pardon, bonsoir messieurs. Bonsoir, du coup, est-ce que vous pouvez me présenter un permis poids lourd, une pièce d'identité, la carte oui, bien sûr. Alors, s'il vous plaît. On va vérifier surtout, voir si vous n'avez pas une crise cardiaque ou que ce soit ou un malaise, monsieur. T'as arrêté sur le bord de la route comme ça? Oui, alors figurez-vous que... Ah non. Et non, c'est justement parce qu'il y a le barrage sur l'autoroute et je cherchais mon chemin et je me suis mal arrêté, je vous l'avoue. Hop. Parfait, monsieur Kraken. Je vais présenter votre permis poids lourd. Ok, vous avez un triangle gilet jaune de sécurité à me présenter? Alors, le gilet jaune, il est actuellement sur moi. Vous pouvez faire une petite synchronisation. Parfait, merci. Hop, et le... Hop. Ça peut le reprendre aussi. Psst. Et en fait, je me rends à l'acheteur de diamants. Et sauf que le seul accès c'est par l'autoroute. Et du coup, là, je cherchais. On a une intervention à côté. Du coup, je cherchais mon chemin. Et pas de soucis, bon monsieur, je vous laisse y aller. Ça marche. Allez, bonne soirée, monsieur. Ouais. Vous signalez Oscar qu'on est juste à côté, monsieur. Marche. Comment est l'agent? Oscar Alpha. Ouais, transmettez. On est actuellement à côté du cambriolage en cours, donc on s'y rend. Yep, c'est reçu, merci. Ok. Je prends l'heure à 13h23, ça continue. Chope l'arrière, il part. Oh, y'a rien dessus. Transmettez Red. Pour Red, on est vraiment à l'entrée de Saint-Newton, si vous voulez qu'on est en. Affirmatif, ça part en course, ensuite vous pourrez partir en renfort. Pour Red, on vient d'arriver, on capte le flagrant délit à l'instant, deux individus en cours d'intérêt. C'est ça parce que le véhicule, je le sens pas. C'est nous. Bonjour.
pas l'utiliser les bordées. Transmettez. Deux individus pincés interpellés à la sortie de la maison, donc qui étaient en train de cambrioler, rien à signaler à l'intérieur. C'est reçu, vous souhaitez prendre le contrôle. Pour être la patrouille Alpha est déjà sur position, donc c'est possible. Yep, c'est reçu, du coup, c'est suivi d'Alpha. C'est suivi. Vous prenez les deux en charge. J'ai les départs arrivent. Ok, c'est encore la Brinks. Donc, monsieur, dame, je vous laisse me suivre. Au niveau du véhicule de police, mais pas. Je crois que ce sera plutôt dans une heure les Brinks, non? Pardon? Je crois que ce sera plutôt dans une heure les Brinks, c'est eux, je crois qu'ils viennent d'exploser. Leur départ, ils sont pas allés bien, non? Et les PO ont été avertis, les... Ouais, ils arrivent. Transmettez. Alors, plusieurs choses. D'une, pour information, j'entends de l'Opic au niveau de Vanderville. Et je viens de me faire rouler dessus par un véhicule. Que... Ouais, c'est reçu, on est à côté des lockpicks. Hein. Ouais, est-ce que vous voulez la plaque du Land Rover qui m'a rouler dessus? Moi ça va, j'ai oui, affirmative, je vous écoute. Les agents parce que vu le choc. GC747SH. Ok, c'est reçu. C'était quelle couleur? Quelle voiture. C'est reçu, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Dépendant de ce qui vient de passer, crée un dessus. Là qui vient de passer. On aurait 4 agents de la DDE là. Allez, on n'est pas en orange, dommage. C'est exactement ça. Ah, du coup, on est 5. Oh boy. Oscar de Rialpha, transmettez. J'ai une course illégale entre deux véhicules dans Vanderville, une Clio blanche qui met tout le monde en danger. IF affirmatif, elle vient de passer devant nous, là à droite et puis à gauche pour vous. C'est moi. Ouais, attention collègue. Tout droit? Oui, et puis au bout à gauche. Un laser. Ça roule. Vous avez une polo normalement qui suit? IF affirmatif, elle fait partie. Un bipède. Je pensais à un LR 304, c'est du calibre 304. 104. Un petit viseur de sniper, un RPOS. 308. Faut pas rêver non plus. 138. 304 non. Aussi. Pour RI Alpha, véhicule paumé. Un tout, il y a des gens qui ont été pour toi. Ça. C'est reçu d'Oscar, vous aviez une plaque ou pas? Ah, attends, je me suis. Non, négatif en fait. Je m'insérais sur la 2x2 quand j'ai vu ces deux véhicules en conduite très dangereuse. Et du coup, j'ai pris chasse. Ok, c'est reçu. Du coup, toutes les unités, nous sommes à la recherche d'une polo blanche aux alentours de Vanderbilt, potentiellement. Non, bah dis donc, j'ai cru entendre une cigogne passer pour la deuxième fois. Elle tourne autour de nous, dis donc. Ouf. Oh là là. Allez, hop, c'est des étoiles. Eh, mettez-vous debout là. Oscar disponible pour contrôle total au niveau du commissariat. Et mettez-vous debout là, on est sur une intervention, on n'est pas à la plage. Ah, il est pour rien, inquiétez pas. Vérifiez si on était toujours sous mon équipement. Et c'est important aussi. Hein. Uri Alpha d'Oscar. Je suis d'accord. Faut pas.
qui vient de passer, direction QG. Je vais voir les téléphones pour pas les en nom, parce que là, il y a une arrache qui est passée, ok, sur merci. T'es pas dans la police. S'il y a un commandant, c'est commandant Valter, je crois. Ouais, 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 je suis d'up, du plateau qu'on a demandé à Animation Nita, on en a vu un plateau passer sans rien devant nous, donc ça arrive dans combien de temps, s'il vous plaît? Je te jure que je te balance. Ça marche, merci. Reverie intercepté. Ils arrivent maintenant, après. Je sais pas. J'ai dû échanger son plateau. Non. C'est toi qui a conduit de toute façon. Qui a de la Kia? Moi je la trouve moche parce que c'est marqué police dessus, mais en vrai je pense qu'en noir elle doit être pas mal. Pas tant que ça. En fait, elle a un problème. C'est qu'elle est très fragile à l'avant. Et c'est à peu près ça. Non, même pas, c'est... Il est vraiment très 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 fragile. C'est un peu comme un VSAV de pompier, en fait. C'est comme le Renault 3. Arrête de te moquer d'eux. Bien. On entend plus. Je crois qu'il a compris. Le temps, t'y vas, le temps, le commissariat. En vrai, non, je crois que c'est le policier qui rigolait d'une façon spéciale. Il a... oh, celui-là, j'en souviendrai tout le temps. Il y avait un rire, aïe aïe aïe. Il aura un peu du temps pour venir du QGDP. C'est ce que je dis, il se fout un peu de la gueule. Hein. C'est clair. Avant, il y en a une qui est passée là, elle avait rien sur le plateau, elle a même pas les gyros allumés. Bah oui, ils sont exceptionnels. Vous faites un rappel et vous leur demandez encore un temps estimatif parce que s'ils disent qu'ils en ont encore pour 5 minutes, on le prend en direct en charge. Marche. C'est lequel qui est méchant? Ah, attends. Je crois qu'il y a un poids lourd carré. Quel qui est méchant, le policier là? Il y a rien, Fad Oscar. Le commandant? À l'écoute. C'est très pur votre situation, du coup, s'il vous plaît. Le RI Alpha est de nouveau dispo. C'est reçu, merci. Ah, mais. Bonjour. Bonjour, bonsoir, c'est pour le véhicule qui est là, le Volkswagen. D'accord, ça marche, on l'occupe. Apporter la réplique de Blanche Fessé, les 7. Red, il voulait partir avec le véhicule ou. Je pense qu'on n'a pas utilité du véhicule. Non. Vous voulez. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il voulait partir avec? Vous l'avez bloqué? Ah, oui, ou... oui, clairement, oui, il voulait partir avec. Ok. On rajoute le refus d'app. Ah oui. Marche. Bon, ils ont tenté. Ils ont essayé, ouais. Donc, Adès, vous dites au dépanneur pour Oscar le transmettez. Le... J'ai un refus d'op d'un KTM Expo dans Vanderville, s'il vous plaît. C'est suivi. Merci. Vous avez besoin de renfort ou pas? Ouais, je crois qu'il y a des policiers. De préférence. Je suis pas sûr. Ça va. La dernière fois, il y en a eu qui s'est. Pas de moi, Oscar. J'arrive à faire. Désolé, monsieur, mais je souhaite faire ça. Est-ce que vous êtes disponible? Affirmatif. Je vais vous rendre s'il vous plaît en support à Uri, bravo, communication directe autorisée. Ça suit pour Ad. Pour Uri Alpha, véhicule qui vient d'être perdu de vue, un KTM Expo.
d'infos, à mon avis, il a pris Nord deux fois bon, deux après... fois. Depuis le Vanderville. Ouais. Le véhicule, il va faire une. C'est un bon, mais on a même pas fait de course poursuite. Tempéré, vous avez le véhicule. Mais on est, on a plus on une est tentative. Pas parti. Refus de oui, bah, tentative. C'est comme ça. On va rester sur place en voyant qu'on était sur place. On va rester sur place en fait. Ah non, non, c'est le véhicule d'arrêt qui a dit vous arrêter, monsieur. Il s'est pas arrêté gentiment. Là pour être gentil. Oui, mais nous on était pas méchants. Ça. Cette voiture est plus jolie que l'autre à côté. Laquelle, la RS3 ouais. Parce que là-bas c'est un BM, je sais. Oh, M4, je vais sortir, je... madame d'abord. Je vais sortir. Oups. Le projetage, vous cliquez avec votre monsieur. Doigt sur le projetage. Ensuite, là, vous pouvez nous sélectionner mon RIB, donc 0539, et ensuite vous appuyez sur le bouton bleu donner. Est-ce que c'est compris pour vous? On fait ça. Ah, mince, ok. Je nous... Ah, bah parfait. Parfait. Maintenant, vous savez donner un objet. Allez, si vous allez prendre toutes vos affaires au sol. Oui. J'ai occupé de d'abord le conducteur. Alpha d'Oscar. C'était qui le conducteur d'ailleurs? Transporté pour le monsieur. De Renault disponible. Non, je peux vous d'abord. C'est parfait, donc c'est tout. Affirmatif, Red Alpha et Red Bravo sont sociaux. 30 000 euros. Monsieur Diamant. Madame. Allez, prenez toutes vos affaires au sol. Vous prenez sur un contrôle total, donc je vais vous démonoter. Vous allez poser toutes vos affaires à terre. Oscar de Eri Alpha. Transporté. Ouais, KTMX, pas perdu de vue, donc. Pour moi, fin des recherches. Ok, c'est reçu pour l'esquivage raid. Ah. C'est reçu pour Ah. Avec moi. Du coup, je vais reprendre une patrouille normale et si on recroise ce KTM, bah, on repartira dessus. Qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié ce détail là. Je suis vraiment obligé de déposer mes affaires. Allez, posez vos affaires à terre. Ah, mais du coup, vous allez avoir allez, tous vos affaires, madame. Vous avez votre maison, mais... votre casquette. Mais pas mes vêtements. Si. Allez. Oh là là, j'ai complètement. Vraiment obligé mes vêtements, j'ai pas envie de me foutre à poil. Bon, madame, on va pas vous le demander 4 fois. Vous déposez vos vêtements, vous mettez contre le mur, main sur la tête, s'il vous plaît. J'avais aucun respect pour les femmes, vous. Hein. Il y avait tentative de vol, non? Merci. Ah bah madame, on est bien parti. Bonne soirée. Bah, ce que j'ai dit, j'ai complètement oublié ça. Donc, hop. C'est quoi? Hop. La première fois aussi que je vois ça, tentative de vol sur le. Sur la code pénale. Je l'avais jamais tentative de vol. Ok. Donc, je vais effectuer une fouille corporelle, pardon. J'aurais pu essayer de me rhabiller quand même. Hein. Alors vous avez un pied de biche sur vous, je vous laisse me le donner au 88-21 s'il vous plaît. Moi c'est m'habiller avant. Elle peut s'habiller cependant, elle laisse l'arme et. Les armes et les chargeurs au sol. Et bah je sais bien. Et j'ai les pare-balles aussi bien sûr. Pardon? Faut voir avec. Je vous laisse poser votre pied de biche 81 s'il vous plaît. Moi c'est tout, j'ai juste une fiche mais c'est comme qui est rempli. Parfait, merci. Donc je vous laisse me présenter maintenant une pièce d'identité s'il vous plaît. Ainsi qu'un permis de port d'armes pour l'arme de poing si vous en avez un. Ouais je l'ai non. Ok, donc pour l'arme de poing vous pouvez la récupérer, vous êtes dans le vos droits. Vous laissez l'autre arme, les chargeurs et le gilet à terre. C'est quoi? Dès que vous pouviez apparaître récupérer votre sac, l'arme de poing ainsi que. Ah, l'arme de poing aussi, je peux prendre. Vous êtes dans vos droits, madame, vous avez un permis de port d'arme. Oui. Parfait, là, je vous laisse à terre. Donc,
au niveau. Oscar de Airy Alpha. Transmettez. Refus d'obtempérer d'une Clio Alpha X-Ray 779 Sierra Papa. Alpha X-Ray 779 Sierra Papa. Nord 2 fois 2 voies. Donc, madame, au niveau des faits de mesure reprochée, on est sur un cambriolage de. C'est une Clio 3 grise. Clio 3 grise. On est sur deux ports d'objets illégaux. C'est reçu, Oscar, on se rejoint sur vous. Avec également une possession d'armes illégales. On est sur 3 objets. Si vous voulez, on est au niveau de Vandorville. Et là. Pour ERI, je crois qu'ils ont essayé de me faire des sommations. Ok. Ils sont deux à l'intérieur, un muni d'un pistolet. Madame. Pour le cambriolage, on est sur un amende de 20 000 euros. Le port d'objets illégal, on est sur 40 000 euros x 3. Donc 120 000 euros total, possession d'armes illégales, 80 000 euros avec la saisie évidemment. Attention à trottoir pour le d'obtempérer, 50 000 euros. Donc on est sur un amende total de 180 000. Combien pour le cambriolage? Cambriolage maison, c'est 20 000. Remise de la patrouille Oscar, deux effectifs à bord du Nier S3. Si c'est ça, c'est ça. Donc on est sur un amende totale de 190 000 euros avec la saisie des objets volés, la saisie des objets illégaux, les armes, les munitions, tout a été fait avec une détention de 5 ans. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour payer l'amende? Oui, mais. Vraiment obligé de payer ça, parce que je pense que ça va faire mal. Oui. Donc madame, je vais vous présenter l'amende 3 fois consécutive. Sachez que si vous êtes dans. Si vous avez les fonds nécessaires, vous êtes dans l'obligation de la payer. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires, vous serez directement envoyé en détention. Présente la feuille, je vous la signe en bas. Oscar de Airy Alpha. Transmettez. Donc là actuellement on est plage Falls Church et on redescend vers l'aéroport. Contactez. C'est reçu, c'est suivi pour Rennes. Attention, si. Suivi pour Rennes ensuite. Ça n'a pas l'air trop de répondre, vous pouvez l'envoyer en direct. Alors, je suis donc madame, je vais pour sécurité. Ah, attendez. Ouais, on aura besoin d'un véhicule retourné pour le raid. Là, il est en gros accident, préparez-vous pour interpellation. D'accord, je vois si j'ai eu. Suppose, on est en approche. Ah, merci de nous avertir assez rapidement, j'attends sur la fréquence. Ouais, pour Oscar, situation en cours de maîtrise. On va dans la cellule, on va aller. Ça marche. Bon, madame, on vous laisse patienter ici. Allez-y. Police de sécurité. Sur la fréquence. Oui, pour dire, actuellement on est sur un convoi Brinks, du coup on sera pas disponible pour le transfert de prisonniers. Ouais, c'est bien aussi. Donc on va passer en contrôle total, monsieur, donc vous allez déposer toutes vos affaires à terre. Une fois que c'est fait, je vous laisse vous mettre contre le mur, main sur la tête. Oscar de Rade. Juste une question, monsieur. Deux individus pensés interpellés au nord de Fulchurch. Je suis pour que le commandant soit avec vous ou pas. Confirmé la situation avec lui. Je suis nouveau dans la police. Confirmé pour Rade, deux individus interpellés, situation maîtrisée. Il a l'air de vous surveiller. Oui, c'est son travail, monsieur. Je vous laisse vous retourner, je vais procéder à une palpation. Ah bah, allez-y. Merci. Doucement, par contre. Je suis chatouilleux. Parfait, vous pouvez récupérer vos affaires. Enfin, donc je vous laisse me présenter une pièce d'identité, permis de conduire. Voilà, et le permis de conduire, je sais pas s'il est dans les papiers de mon portefeuille, hein. Regardez. Par contre, vous enlevez votre bandana, monsieur, vous êtes sur un contrôle de police. T'es là dans votre sac. Donc au niveau du permis de conduire, il est effectivement dans vos dossiers. Donc le permis de conduire, vous avez bien vos points, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes recherché par les services de police, monsieur? J'en ai aucune idée. On va vérifier ça. Monsieur Zeta Saphiros. Généralement, on le sait pas. Donc, c'est bon pour moi au niveau d'Interpol. Donc, monsieur, au niveau des faits qui vous sont reprochés, on est sur un cambriolage de maison. Vous n'avez pas d'objets illégaux sur vous. Oups. Je suis blanc comme neige, monsieur, comme votre béret. J'ai remarqué. Ainsi qu'un refus d'obtempérer, du coup, pour terminer ma phrase. Donc, c'est une amende totale de 70 000 euros avec. La destruction. Je vous laisse vous retourner, madame. Voilà. Donc les agents pénitentiaires sont arrivés. Ceux qui vous prendront en charge. On est pour 5 ans de prison. Voilà. Je souhaite un bon séjour en prison, madame. En espérant vous voir dans d'autres circonstances. Ouais.
la tentative de refus d'obtempérer, il y était déjà. Ah, il était quand même. Messieurs, je pense que c'est pas une raison pour. Commandant. Oui. Il souhaiterait voir un avocat pour essayer de réduire la peine parce qu'il trouve pas normal qu'on lui retire son permis de conduire. Et on est pas parti. On est resté sur place, on n'a pas eu le temps, donc c'est pas une conduite dangereuse ou une mise en danger de la vie détruite. Négatif, c'est refus d'obtempérer, monsieur. Refus c'est pas l'avocat qui est ici dans le système des métiers, donc négatif. Il n'y a pas moyen de s'arranger entre vous, la police et moi? Non, monsieur, on reste là-dessus. Non, parce que ça fait un peu beaucoup entre le permis de conduire et bon l'amende encore je veux bien, mais le permis de conduire, on n'est pas parti, on a écrasé personne, on n'a pas eu le temps de faire un mètre. Mais vous avez effectué un cambriolage de la maison, vous avez fait une tentative de refus de tempérer, vous avez perdu, donc vous assumez vos conséquences. On n'a pas fait d'excès de vitesse, on était ça n'a rien à voir. Bon. Un stationnement gênant encore. Bon monsieur, vous arrêtez de commenter, de toute façon c'est comme ça, vous allez prendre votre amende ainsi que le refus de tempérer, dans tous les cas. D'accord. Ça fait beaucoup quand même pour le permis de conduire, monsieur. Et il fallait réfléchir avant d'agir. Donc monsieur, je vais vous présenter l'amende de 70 000 euros, sachez que vous êtes dans la si vous... Oh là là, j'arrive plus. Si vous avez les fonds nécessaires, vous êtes dans l'obligation de la payer. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires, vous serez envoyé en détention. Je vous présente la feuille, je vous laisse signer. Je garde votre permis de conduire pour effectuer le retrait. Monsieur, on peut vraiment pas négocier le permis de conduire, genre, ça fait beaucoup. Hein. Parfait, merci pour la signature. Et du coup, votre véhicule est envoyé en destruction. On va pouvoir vous laisser repartir. C'était pas vraiment le mien pour vous dire. Monsieur. Comment ça se fait que j'ai mon véhicule qui est rangé sur le côté? J'assume jamais ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube en espérant vous revoir ou en espérant que vous regardez d'autres de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, au revoir.